Et hey, yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pharao Total War. J'allais dire Rome 2, mais bah non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans lequel nous incarnons Seti, la brute, dit la brute, et son royaume, je sais pas, ouais, tiens, non, bah c'est dans l'Égypte après, c'est bon, voilà. On avait pris la ville d'Ubat, oh, les prononciations, ça va être terrible. De la faction. Ah, ok, très bien. Et y avait lui. Nefankui. Je sais pas comment on prononce. Qui allait reprendre un peu de ces territoires là, qui se dirige vers Tepa. Et bon, j'ai levé un général, mais. Enfin, j'ai recruté un général, mais je sais pas si ça va faire l'affaire. Honnêtement. Oh, bah on produit de l'or. Ah oui, c'est vrai. Vu qu'on a pris une région aurifère. On a gagné des sandales, les mecs. Magnifique. Putain, on a gagné des sandales à nos pieds le tour prochain, là. Déplacement récupéré après prière 20%. Ah oui. Pas mal. Hop, on va améliorer cette compétence. Moins de coûts d'entretien. On a des rappels. Amélioration. Tep A. Ouais, on va éviter de le faire à Tep A. Mais y'a rien ici. C'est nul. Hôtel de 7. Alors, où est-ce que c'est? Ici, je vais faire un avant-poste militaire. Non. C'est pas assez de fond. Ah, c'est con, ça. Bon, on va faire un hôtel de 7. Écoute. Je sais plus dessus. Bernard, je vais essayer, hein. Arboriste, bah écoute, ouais, arboriste. Bon, de toute façon, hélas, désolé pour toi, mais tu vas très certainement vite finir en bouillie parce que là, il y a du monde qui arrive. Alors même s'il y a une petite garnison. Je peux être méchant, mais ça va être compliqué, quoi. Vous êtes 6 contre 13, 1 pour 2. Même moi, ça serait compliqué, hein. Frondeur, oh, un peu mal de frondeur. Hélas, je vais devoir passer ce tour. Bloodshed awaits. Mode raid, mode marche. En quoi là? Mode mobilisation, ah ok. Ah oui, ça augmente les déplacements, oh, ok. Mode normal, mode embuscade, mode raid, mode campement. Ok. Intéressant. Action en attente. C'est un personnage. Qu'est-ce que vous les gars? Qu'est-ce que tu me veux? Je peux t'équiper ça toi si tu veux. Ah ouais? Ok, sympa. C'est ça? Ah ouais, ça avait l'air d'être ça. Bah écoute, il a un char. Pourquoi pas? Oh, il devrait faire plus de dégâts. La mode marche. Il y a de la perte. Ah, c'est pas gagné! Non! Mais non, alors je voulais pas. C'est pas grave, je voulais pas appuyer sur la résolution auto, j'ai trop l'habitude de Rome 2 où... J'ai trop l'habitude de Rome 2 et je me suis fait avoir. The wrath of Egypt. Ah. Eviscerate them. No respite. Couillon de moi, ça m'apprendra. La créole royale n'est plus en vigueur, tu m'étonnes.
Enfin, l'ordre est plus en vigueur. Oui, on va voir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Nourriture plus 10%. Bois plus 10%. Bronze plus 10%. Défense embuscade. Ouais. Pierre. Ah. Coût de construction moins 10%. Allez hop. Pour les temples. C'est toujours bien à prendre. Hein. Putain, je suis dégoûté là par contre. Je vais. Bon, bah c'est grave. Ça m'apprendra à. À mieux gérer mes actions. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis l'assimilation prospérité. Ouais. Probabilité de catastrophe, probabilité de malédiction. Parce que chance de catastrophe, moi j'appelle pas ça une chance personnellement. Après bon, appelez ça comme vous voulez. Tau 7, qu'est-ce qu'elle nous fait Tau 7 elle va vers le nord, ok. Vous perdez la confiance du peuple, et de plus en plus de voix dissidentes s'élèvent. Certains entendent même parler de rébellion. Un tel mouvement doit être endigué avant que la situation ne s'envenime. Ouais, c'est à cause du bonheur, ouais, mais là, faut que je m'occupe. Faut que je m'occupe de lui, là. Normalement, il a eu des pertes, donc je suis censé arriver à prendre la région facilement. Moyenne élevée, oui, je peux accepter. Oh bah dis donc, cet île a été efficace, il n'a pas déconné hein. On va occuper, ça reste notre ville de base. La victoire est à portée de main. Vous vous rapprochez de votre but à chaque nouvelle étape franchie. Consultez régulièrement vos objectifs, car nos scribes consignent scrupuleusement tout ce que vous faites. Ok, divinité locale. Choisir une autre divinité, c'est ça. Influence, rang de recrutement. Oh, Amon, c'est pas mal. Hein. XP par tour. J'aime beaucoup Amon. Je sais pas ce que je fais en vrai. Tous les emplacements sont occupés. Ah bah non, je vais pas remplacer. Mais qu'est-ce, pourquoi ça me... Ah, faut que je lise les autres, les divinités, c'est ça? Osiris. Tot. Ah ouais, mais j'ai tout lu, les mecs, hein. Il s'est débarré, lui. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. C'est pas grave. Ah, j'ai perdu la ville alors que j'avais mis des choses en construction, je suppose. Ah, oh, ça c'est moche. Allez. On continue les constructions. Là, on a rien d'intéressant. Ils sont où les objectifs? Objectif de victoire. Ah, ça c'est mon allié. Ok, d'accord. Mais Ken Menou. Ah la vache, oh, il y a des sacrés territoires lui hein. 1, 2, 3, 4. 4 villes, eh ouais. On ira dans le sud un peu plus tard. Alors de nouvelles troupes avant. Rendre disponible Ardai, ouais. Augmenter le bonheur. T'as gagné un point de compétence, c'est très bien. Ah, j'ai perdu ma monture. Bon, au moins, ça lui aura permis
va faire une bonne bataille l'autre avec son char. Puis le laisse en Horus. Choisis la voie égyptienne, ouais. Ok, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Détenir 5 colonies. Ce qui sera le plus simple, je pense, pour moi. La lutte pour le trône a commencé. Vous pouvez choisir de suivre la voie du pharaon ou du grand roi Hittite. Choisir entre 5 pouvoirs royaux uniques et 5 couronnes. Une entraîne mène au grand roi du Hatti. Ok. Déjà un décret royal. Expérience de bataille plus 30% de toute la faction. En mêlée. Elle lance projectile. Ok. On va aller sur les deux. Pouvoir de la couronne. Sur tradition royale égyptienne, faut pas déconner. De toute façon, il me faut au moins un territoire. Légitimité égyptienne. Gagner la légitimité pour contrôler des terres sacrées, détenir des monuments, remporter des victoires. Défier le trône pour indiquer la couronne. Non, non, non. Pouvoir du pharaon. Il y a des pouvoirs via notre légitimité. Corvée du pharaon. La même construction de toutes les colonies dans un poste directement au niveau maximum. Okay. Ah oui, d'accord, c'est un des. Son de puissance, déplacer des familles entières vers une province au choix, ce qui augmente la instantanément le surplus de population. Ok. Vous savez, pour introduire généraux à le poste clé de la cour. Ok. On les inscrit dans votre façon pour éduquer les masses et permettre de vous personnellement. Ça rentrerait pas avec la manière de faire du pion. Entrer à la cour pour y accéder. À des postes à pouvoir. Faire ça, hein, choisir cette voie. Oui. Oui, oui, oui. Le pharaon. Vol de terre sacrée. Je suis là, votre légitimité, ok. Non, c'est Kent Menou, moi, que je veux voir. Dégage. Yes. Il est en dessous, il a pas tant que ça. Hein. J'irai lui piquer ce qu'il a, lui. Il est plus fort que moi pour l'instant, il va vraiment falloir que je me renforce. Cour. Le pharaon règne en maître sur la cour. Mais chaque membre qui la constitue a des fonctions importantes à remplir. Les postes ne peuvent être occupés que par des chefs de faction ou ceux qui servent directement le pharaon. Si l'un d'entre eux est tué au combat, son poste devient vacant. Beaucoup recherchent la reconnaissance de leur père à la cour, mais c'est un privilège réservé à une poignée de mortels seulement. Jouer de ruse et de machination pour grimper les échelons du pouvoir. Ok.
Complot. Ouais, je peux faire quoi en complot? Oui, j'ai utilisé un complot ce tour. Ah, d'accord. Là, j'ai très peu de légitimité. Ah, d'accord, on a des légitimités en fonction du... du titre. Ah, bah, par contre, le titre de pharaon, j'en ai. Hein. Vous pouvez interagir des postes à la cour pour chaque fois un complot. Ouais, mais apparemment, ce sera le tour prochain. Et là, c'est quoi? Héritage? Thoutmôsis le conquérant. Hatshepsut la marchande. Akhenaton l'hérétique. Et Khéops le bâtisseur. Démontrez toute votre compétence martiale en vous emparant de villes les unes après les autres. Emparez-vous un des piliers de la civilisation présent sur la carte, ok. Vous pouvez aller le soutien des autochtones usés de sabotage. Ou un peu des deux pour arriver à vous. Enfin, une fois par tour, acheter une action contre la cité visée. Ce des autochtones permet de conserver le bonheur de la cité conquise, tandis que le sabotage vous octroie ses ressources. Si vous dépensez toutes les actions, vous avez accès à un aboutissement. Il ne reste plus que vous en parfaire de la cité, recommencer avec une autre victime. Ok, pourquoi pas hein. La capacité de Thoutmôsis III à conquérir de nouveaux territoires était inégalée et apporta gloire et puissance à l'Égypte. Quiconque souhaite imiter une telle réussite, voire la surpasser, devrait en retenir la leçon. Ok, il faut choisir un endroit. Tamjou, Wasset, Nebu, je sais pas ce que c'est. J'ai le 3 qu'on... j'ai le choix entre ces 3 villes. On va pas prendre bas. Ça m'a l'air bien en bas. Une cible bas. Super. Kimemou, Kimenou. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Ah c'est là. Ouais non mais non, j'en ai fout moi. Kent Menmou, ça ça m'intéresse là, je peux pas ça. Non, je peux pas prendre ce que je veux, ça c'est... c'est que contre des piliers de civilisation. D'accord, bon bah on verra ça plus tard alors. Où est les actions? Cours, poste vacant. La cour vient de se libérer. Saisissez cette opportunité pour l'occuper à votre tour. Et l'utiliser à votre avantage. Je peux pas m'en revendiquer le poste ici. Oh la vache, ouais, mais l'orque. Ah, je suis arrivé trésorier, tiens. Ah d'accord, suffit de faire ça. Avantage du complot. Ouais. Viser des terres sacrées pour gagner des ressources. Construction de lors des temples suivants des suivants d'Horus. Légitimité 14. Ah. Ouais, d'accord, ouais, non mais... bon bah ça me fait un poste. Bah c'est des... ouais c'est des... ok d'accord bah j'ai rien de comprendre comment. Réduction à la cour disponible. Réduction. Je peux saisir réduction. Hein. Regardez, faire une requête. Faire une intrigue. Non, réaliser l'intrigue. Préparez-vous à vous salir les mains de bien des façons en politique. Fomenter complot et intrigue
pour gagner en estime auprès des autres membres de la cour. Ou bien, pliez-les à votre volonté. Oui. Place à la cour ou non, vous avez toujours trois actions à votre disponibilité, à votre disposition. Complot, intrigue et requête. Certaines des actions peuvent être indispensables si le personnage ciblé n'a pas suffisamment d'estime envers vous. Les complots et les requêtes ont une chance de réussir ou d'échouer, bien qu'elles apportent un avantage considérable. Ces actions peuvent aussi être découvertes par les autres, ce qui peut vous coûter une perte de légitimité. Les intrigues sont quant à elles résolues immédiatement. Les motivations de l'effet indiqué par l'action souhaitée. Ce sont les seules qui vous obligent à payer des ressources pour atteindre l'objectif donné. On va voir. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Très bien, je peux pas parce que j'ai pas encore d'intrigue. Il me parle de réduction. L'hôpital peut allouer 50% des coûts dans plusieurs catégories. Tous les changements sont impliqués. Hein. Réduction des coûts de construction sur les bâtiments. Administratif avant poste, gestion, recrutement, soutien militaire. On va faire ça. Pourquoi pas, hein? Alors. On va faire ce qu'il faut. On va faire ça. Un promontoire, c'est bien. J'ai fait quoi ici? Oui. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Un général. Je voulais savoir au niveau de l'ordre public. Ok, il est remonté. C'est pas ça que je voulais. Hop, je voulais voir là si je le fais sortir de la ville. Ça va, on reste bien en ordre public. On se rapproche de cette province. Born to conquer. When Seti speaks, the gods listen. Fin de tour. Donc là, on va l'envoyer. Crown Prince Seti. Respecter les réserves. Rejoindre la garnison. Ouais, j'ai une petite perte de nourriture. Alors que je palie ça. Action de la cour. Ah, alors est-ce que je vais pouvoir Ça coûte cher. Ça me donne quoi de faire de l'assistance de gagner? On aurait du grand prêtre. Ah! Alors on a foutu moi de gagner des trucs là auprès de ça. Faire une requête bras droit. Trois actions de cours pour ce tour. Le vizir, il fait quoi, lui? Action, conspiration,
Complot assassiné. Il n'y a pas grand chose. En même temps, on va le laisser tranquille tant qu'il est encore en vie. Et ses connexions, je sais pas ce que ça va faire. We children of the Nile must work together. Ah ouais. Ok, ouais, bon, voilà. % de chance, 30% de base. Oh, c'est pas beaucoup, 19% de chance. Hein. Ok, ok, bon, j'ai testé, c'est pas terrible. On verra plus tard en cas de besoin. Il faut que j'augmente ma production de nourriture en tout. Pas l'aider, j'aimerais bien l'aider. May the gods look kindly upon you. Ok, moi je peux rien. Ouais. Ça me fait dépenser un peu d'argent, mais moi je dépensais mes actions de cours. Et je l'estime de la part du pharaon, donc ça me va. Moi, 7. Moi ? Pourquoi ? Si tu veux. Ok. Donc. Si je vais voir dans ma diplomatie. We bow no more. Warrior of Egypt. Lui, on s'aime pas. Ok. Hein? Ça lui appartient aussi? T'es petit. Oh la vache, ah oui, il a un sacré territoire lui. Ok, ok. C'est vrai que je dois détenir une autre colonie. Ouais. On va faire améliorer les avant-postes. De passage, monument. Un comptoir commercial, mais on n'a pas assez de pierres pour l'instant. Bien, ça a pété tous les avant-postes. C'est pas cool. Au
always ready. C'est pour ça que ça m'a limité. You seek Pharaoh's divine favor. A wise decision indeed. Ça m'a diminué ma production plutôt de ressources. Dommage. Nemo. T'es dans le caca là, j'ai envie de te dire. C'est pas pour m'arranger ça. Je manque un peu de pierre. I have no time for the weak. Ok, ça augmente un petit peu au niveau bonheur et ici ça augmente aussi. Au moins ça saute pas. On va devoir passer hein, économiquement on a du mal. Deux frères se dressent l'un contre l'autre. La vertu est abandonnée. Et le sang coule. Inévitablement. Début d'une guerre civile hittite. C'est pas chez nous, donc on s'en fiche un peu pour l'instant. Bon là, comme d'hab. You show good sense, my friend. May the court of Egypt. Voyons voir. Administratif, oui. Attends, non. On peut construire instantanément avec de l'or. Promontoire égyptien. Allez. C'est pas plus intéressant que ça, tout ça, là. Je manque de pierre dans tous les cas, là. Ça baisse la production des ressources, c'est pas terrible. Croissance de la main d'œuvre. Ça peut toujours aider. J'ai oublié ce détail. L'ambition va être compliquée là. Oh merde, je voulais pas. Je vais quitter ça, mais non, il n'y a rien pour quitter là, c'est con. J'ai obligé de faire échappe. Mightiest of princes. The wrath of Egypt. Meneptah's heir. Ouais, là je peux pas recruter comme il faut ici.
a pas de route, il y a une route qui va vers le sud, mais il n'y a pas de route qui va vers, vers l'ouest. Dommage, je peux pas rejoindre mes territoires tranquillos. C'est ballot ça. Média local. Ah non mais ça brille depuis le début, je me fais avoir à chaque fois. Hop, on va aller par là-bas. Voilà, c'est bon, on est revenu en positif en nourriture. Recruter ce qu'il faut, hein, oui. Ready to spill blood. Feed my power, great one. Ah non, il y a des petits chemins. Ouais, tu parles de petits chemins. Non, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de chemin du tout. On a quoi ici? On a du... Compteur commercial à hôtel de 7. Influence, bonheur, bonheur. Bonheur est très bas dans cette région. Je me fais des thunes, hein. Oh là là, je me fais de l'or. On a parlé de beau parleur, celui qui possède la langue la mieux pendue. Faut s'approcher le plus près pour extirper ce qu'il désire. Vous laissez approcher. Pas que personne d'autre puisse entendre ses murmures. Une action de cours. Je gagne de l'or ou je ne fais rien. J'ai pas trop compris, hein. Chemsuhor begins. Let us see which way the wind blows. Complot. Cette anaque. Je m'en fous. Chantage. Qui suis-je que je chante? Ah, en plus je peux pas. Bon. Tu les rumeurs. Pas si ça va servir à grand chose, mais on le doute. Bronze ici. Hein. Ha! Peace can never last. Burning for battle. Hop, tiens, on va là-bas, ça prend un entretien en moi. Oh oui, la vache, ça se sent. Your lives are mine to spend. J'ai des frondeurs. Pourquoi j'ai ça là? 180? Bizarre. De haute Égypte. Submit to your prince. Ça,
Voilà. Peut-être quelques tours de recrutement, mais ça aurait été pas mal. Avec tout ça. Ça fait déjà 40 minutes. On va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Ah. Je vais accepter parce qu'il essaie de bien me faire voir de lui. Ouais, amical. Ça fait augmenter un peu tout ça, mais au cas où. Ça reste le daron, je crois. Et voilà. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Thiom.